Bonjour, c'est Aurélie Ashrafi pour La Rose Bleue. Je vous propose une visualisation pour illuminer votre être grâce au chakra porte des étoiles et construire aussi et consolider votre pont d'Antakarana vers votre monade et la source. Alors vous allez vous installer dans un endroit où vous ne serez pas dérangé, assis ou couché, le corps reposant entièrement et très confortablement, afin de reposer et de laisser aller chacune de ces cellules dans une relaxation profonde. Prenez une grande inspiration et à l'expire, relâchez toutes les tensions, tous les liens avec le monde extérieur. Relâchez tous vos muscles, les articulations. Pendant que vous respirez dans votre centre du cœur, sentez votre cœur se détendre, le péricarde se relâcher, les tensions et les douleurs disparaître de cette zone. Vous sentez votre cœur libre et en paix. Vous portez votre attention sur votre chakra étoile de la terre. Vous respirez dans ce chakra. Et à chaque respiration, il s'étend en faisant briller de plus en plus fort sa lumière argentée. Et il vous ancre de plus en plus profondément dans la terre. Puis, vous portez votre attention sur votre chakra porte des étoiles et vous voyez ce calice orange doré briller comme un phare au-dessus de vous. Vous respirez dans ce chakra et sa lumière brille encore plus fort. Et elle vous ancre dans le cosmos. Maintenant, vous voyez sa lumière orange dorée s'écouler vers vous à travers votre colonne de chakra, par votre chakra étoile de l'âme, votre chakra causal, coronal, troisième œil, alta majeur, gorge, cœur supérieur. Cette lumière orange dorée vient s'ancrer dans votre chakra du cœur. Respirez cette belle énergie dans votre cœur. La sagesse des étoiles s'ancre ici. Puis, vous reportez votre attention sur votre chakra étoile de la terre. Et vous voyez sa merveilleuse lumière argentée remonter en vous, dans votre colonne de chakra, par le chakra racine, le chakra sacré, le nombril, le plexus solaire, et elle vient s'ancrer dans votre cœur et se mélanger à l'énergie orange dorée de votre chakra porte des étoiles. Respirez ces deux énergies dans votre cœur. Qu'elles circulent librement en vous et vous nourrissent, tout en vous ancrant parfaitement dans la terre et dans le ciel. En parfait équilibre. Puis,
vous appelez à vous l'archange Métatron. Et le puissant archange Métatron se tient devant vous dans sa lumière orange dorée et vous lui demandez de placer autour de vous, de votre aura, sa bulle d'ascension orange dorée de la 9e dimension afin de vous protéger. Et vous le voyez, qui entoure votre aura et vos champs énergétiques de sa puissante énergie orange dorée avec sa bulle d'ascension. Maintenant, vous reportez votre attention sur votre chakra porte des étoiles. Dans ce merveilleux calice, il y a 12 chambres. Chacune contient une parcelle d'un des esprits de Dieu. Nous allons ouvrir ces chambres et illuminer votre être avec l'essence de ces esprits de Dieu. Alors que vous émettez cette intention, vous voyez un magnifique dragon orange doré de l'archange Métatron qui arrive vers vous en tournoyant et qui vient se poser près de la première chambre de votre chakra porte des étoiles. Il souffle sa puissante flamme orange dorée sur cette chambre pour l'ouvrir et la purifier d'éventuelles impuretés, noirceurs ou blocages qui sont à l'intérieur, afin de dégager l'esprit divin qui y est renfermé, la force. Puis, vous appelez à vous votre licorne personnelle. Et elle vient toucher de sa lumière pure et blanche cet esprit afin de l'activer en vous. Et vous voyez l'esprit de force rayonner et faire s'écouler sa lumière dans tout votre être, dans toute votre colonne de chakras, dans toutes les cellules de votre corps physique, votre corps mental, émotionnel, spirituel, et en remplit votre aura. Et vous baignez quelques instants dans cet esprit de force pour absorber cette force autant que vous le pouvez au plus profond niveau cellulaire. Vous sentez les parties les plus vulnérables de votre être être réparées, nourries, renforcées par cet esprit. Tout s'équilibre et se reconstruit en vous, dans votre lumière. Puis, le dragon orange doré de l'archange Métatron s'avance vers la 2e chambre et souffle sa merveilleuse flamme pour en ouvrir les portes et nettoyer les éventuels blocages et impuretés afin de dégager l'esprit renfermé à l'intérieur, c'est l'esprit d'intégrité. Puis, votre licorne vient illuminer et activer cet esprit grâce à sa lumière pure et blanche. Et vous voyez la lumière de l'esprit d'intégrité s'écouler en vous, dans vos 4 corps, par votre colonne de chakras, tout en s'arrêtant plus particulièrement sur votre chakra de la gorge et votre chakra du cœur, pour que vous puissiez vous exprimer avec intégrité et voir en vous-même avec cette même intégrité. «
vous baigner quelques instants dans cet esprit. Puis, le dragon orange doré de l'archange Métatron souffle sa flamme sur la troisième chambre qui s'ouvre et se purifie entièrement grâce à cette flamme. Et voilà dégager l'esprit d'amour. Votre licorne illumine et active cet esprit de sa merveilleuse lumière. Et cette lumière d'amour, blanc et rose, vous remplit entièrement en s'écoulant dans votre colonne de chakra jusqu'à votre chakra étoile de la terre. En s'arrêtant plus particulièrement dans votre cœur supérieur et dans votre chakra du cœur pour les nourrir, les renforcer, les purifier et les activer au maximum de leur potentiel. Et cet amour remplit tous vos corps au plus profond niveau cellulaire. Et vous absorbez tout ce que vous pouvez. Vous baignez quelques instants dans cet amour de la source. Puis, le dragon orange doré s'approche de la quatrième chambre de votre chakra porte des étoiles. Il souffle sa flamme pour ouvrir et nettoyer, purifier la chambre et dégager l'esprit d'unité. Puis, votre licorne vient activer cet esprit de sa merveilleuse lumière blanche et votre être accueille la lumière pure de cet esprit d'unité dans toutes les cellules de votre corps, dans tous vos corps, votre aura et vos chakras. Cette lumière magnifique vous imprègne au plus profond niveau cellulaire, vous absorbez tout ce que vous pouvez pendant qu'elle dissout vos limites. Et peu à peu, vous réunifie avec tout ce qui est. Elle réunifie toutes les parties de votre être et vous fait sentir que votre être est comme une des cellules de votre corps, qu'elle est indispensable et fait partie du grand tout du multivers. Dans l'amour divin. Vous comprenez encore plus profondément votre divinité et la divinité de tout un chacun et de tout ce qui vous entoure. Que vous êtes exactement la même essence. Puis, le dragon orange doré s'avance près de la cinquième chambre, souffle sa merveilleuse flamme pour ouvrir et purifier cette chambre et en dégager l'esprit de paix. Votre merveilleuse licorne verse son énergie blanche et pure pour activer cet esprit de paix en vous. Et vous voyez la lumière de cet esprit descendre en vous, en une pluie blanche et scintillante, en insistant dans votre chakra causal, qui devient une lune énorme et éblouissante de cette lumière de paix. Toutes les cellules de votre corps s'imbibent de cette paix. Elle descend, jusque dans vos pieds, dans votre chakra étoile de la terre, imprègne tous vos corps et vos champs, jusqu'à ce que vous soyez vous-même,
une orbe blanche de paix. Tout s'apaise en vous. Et ce sentiment puissant de paix vous rend capable d'apporter la paix partout autour de vous. Puis, le dragon orange doré de l'archange Métatron s'approche de la sixième chambre et souffle sa merveilleuse flamme orange dorée pour ouvrir les portes de cette chambre et purifier l'intérieur afin de dégager l'esprit de joie. Votre merveilleuse licorne verse sa lumière pure et blanche sur cet esprit pour l'activer. Et vous sentez cette belle énergie de joie, cet esprit de joie s'écouler en vous, dans tous vos corps et vos champs, au plus profond niveau cellulaire. Elle vous imprègne partout, dans tous vos chakras. Et les cellules de votre corps deviennent des bulles pétillantes de joie de vivre, de vie même. Des picotements de joie vous parcourent le corps. Toute votre aura s'illumine de la lumière dorée et crépitante comme des étincelles de cet esprit de joie. Vous baignez quelques instants dans cette magie. Puis, le dragon orange doré s'avance vers la septième chambre de votre chakra porte des étoiles et en ouvre les portes de sa flamme afin de purifier à l'intérieur d'éventuels blocages, impuretés ou noirceurs, afin de dégager l'esprit de sagesse. Votre licorne verse sa merveilleuse énergie pure et blanche pour activer cet esprit. Et cet esprit s'écoule tout doucement dans votre être avec une infinie douceur et vous nourrit et vous enrichit de cet esprit de sagesse, de la sagesse de la source, de la sagesse des étoiles et s'arrête un moment plus particulièrement dans votre chakra étoile de l'âme, pour libérer la sagesse de votre âme, qui s'écoule elle aussi dans tous vos corps et vos champs et vos chakras. Et tout en s'écoulant dans votre être, cet esprit de sagesse illumine tous les codes de lumière, toutes les clés que vous avez déjà reçu sur votre chemin d'ascension pour les illuminer, les activer, vous les rendre plus accessibles pour les appliquer dans votre quotidien. Vous baignez dans cet enrichissement considérable de votre sagesse. Absorbez tout ce que vous pouvez. Puis, le dragon orange doré de l'archange Métatron s'approche de la huitième chambre, l'ouvre et la purifie de sa superbe flamme pour en dégager l'esprit d'équilibre. Votre licorne verse sa lumière sur cet esprit afin de l'activer en vous. Et vous voyez sa lumière s'écouler en vous tout doucement,
s'arrêtant dans chaque chakra pour rééquilibrer ses énergies, et plus particulièrement dans le chakra racine et le chakra étoile de la Terre, pour équilibrer vos polarités masculines et féminines, et illumine tous vos corps et vos champs, votre aura, afin de vous permettre de remettre de l'équilibre dans tous les aspects de votre vie, de vous permettre de dégager de l'énergie et du temps pour pratiquer un petit peu plus chaque jour de tout ce qui satisfait votre âme, de toutes les activités que vous aimez, qui vous épanouissent, tout en sachant garder une discipline dans toutes vos pratiques nécessaires dans votre vie. Vous passez quelques instants à vous nourrir de cet esprit d'équilibre. Puis, le dragon orange doré de l'archange Métatron s'approche de la 9e chambre, l'ouvre et la purifie de sa flamme pour en dégager l'esprit de vérité. Votre licorne illumine et active cet esprit de sa lumière blanche, et la vérité, la lumière de cet esprit de vérité, éclate comme une étoile qu'on vient nouvellement d'allumer. Sa lumière éblouissante rayonne à travers tout votre être, de sa pureté qui traverse toutes vos cellules, tout votre être, même dans les coins les plus sombres, pour en faire sortir et mettre en lumière tout ce qui n'est pas elle. Cet esprit très puissant vient apporter de la lumière même dans les coins les plus obscurs et les plus oubliés de votre être, afin que vous puissiez vous réaligner sur votre vérité, la vérité de votre âme, la vérité divine, pour vous aider à entrer dans la lumière et à avancer rapidement sur votre chemin d'ascension. Vous baignez dans cette lumière puissante et éblouissante. Puis, le dragon orange doré de l'archange Métatron s'approche de la 10e chambre. Il souffle sa flamme orange dorée pour l'ouvrir et la purifier, afin d'en dégager l'esprit de vision. Votre licorne verse sa lumière pure et blanche sur cet esprit afin de l'activer en vous, et vous voyez le rayonnement de cet esprit, d'une lumière si pure et élevée qu'elle en est cristal clair, transparent, entrer en vous par votre colonne de chakra, en s'arrêtant plus particulièrement sur votre chakra coronal et sur votre chakra du troisième œil, afin de purifier votre vision actuelle de toute croyance limitante, de tout programme limitant, afin de clarifier votre vision. Et cet esprit renforce aussi votre capacité à visualiser, à créer vos visions pour votre vie, pour y manifester ce que vous voulez précisément. Cette force de vision est la racine de toute manifestation. Imprégnez-vous de cet esprit qui remplit vos corps et vos champs et votre aura au plus profond niveau cellulaire.
sentez votre capacité à recevoir les informations du cosmos, de la source, beaucoup plus clairement, beaucoup plus intensément et puissamment. Et sentez aussi que tout se facilite dans votre compréhension du monde, dans votre compréhension de ces sagesses et de ces informations. Tout se facilite, s'ouvre à vos yeux, à votre compréhension, à votre capacité de voir les choses dans leur globalité, de les organiser, de les construire. Dans votre vision intérieure, dans les plus petits détails, pour le plus haut bien de tous. Une fois toutes les améliorations terminées, vous voyez le dragon orange doré de l'archange Métatron s'approcher de la 11e chambre, l'ouvrir de sa flamme et la purifier pour en dégager l'esprit de compassion. Votre licorne verse sa lumière pure et blanche pour activer cet esprit en vous et vous sentez la lumière douce, blanche et dorée, légèrement rosée, de l'esprit de compassion qui descend votre colonne de chakra et s'irise d'un arc-en-ciel lorsqu'elle atteint votre cœur supérieur et votre cœur. Descend jusque dans votre chakra étoile de la terre et se répand dans vos corps, votre aura, et vous imprègne au plus profond niveau cellulaire. Vous absorbez tout ce que vous pouvez. Et plus vous absorbez de cet esprit, plus votre cœur s'ouvre. Plus vous êtes à même de comprendre ce monde, de vous comprendre vous-même, de comprendre les autres et d'accueillir ce qu'ils sont, d'accueillir leur chemin. Dans l'amour, l'acceptation, la compréhension, la compassion. Cet esprit très puissant ouvre de nouvelles portes à mesure que vous ouvrez votre cœur. Plus vous ancrez cet esprit en vous, plus votre lumière brille. Et plus vous êtes à même de transformer votre vie. Vous pouvez même voir les réactions des autres changer vis-à-vis de vous. Cet esprit de compassion apporte aussi énormément de guérison en vous-même et par rapport aux autres et par rapport au monde. Accueillez le plus possible de cet esprit. Puis, le dragon orange doré s'approche de la toute dernière chambre qui est au centre de votre chakra porte des étoiles. Il souffle sa flamme orange dorée pour ouvrir cette chambre et la purifier afin d'en dégager le dernier esprit qui va nourrir tous les autres esprits en vous et vous nourrir, vous soutenir de sa force incroyable. Que vous puissiez vous dresser comme le maître ascensionné que vous êtes, dans le plus fort rayonnement de votre lumière. Cet esprit, c'est le courage. Votre licorne illumine
cet esprit de sa lumière blanche pour l'activer en vous. Et vous sentez la lumière éblouissante, pure, blanche et orange dorée, remplir tout votre être. Vous sentez la force de cet esprit de courage s'écouler dans votre colonne de chakra, remplir chaque chakra, chacune des qualités contenues de ce chakra, chacune des capacités qu'il gère. Les remplir de cette puissante énergie de courage, jusque dans votre chakra étoile de la terre. Puis s'écouler en puissance dans toutes les cellules de votre corps physique. Transformer chacune de ces cellules et les nourrir de courage pour continuer la transformation, la guérison du corps, pour le soutenir dans sa mission de véhicule et de temple de votre âme. Dans sa mission de vous permettre d'expérimenter cette incarnation. Il remplit votre corps mental, votre corps émotionnel, votre corps spirituel, votre aura, de son éblouissante et puissante lumière. Sentez comme cet esprit vous nourrit, vous soutient et réveille en vous le guerrier pacifique qui vient faire se dresser votre lumière, dénuée de voile, de paravent, pour que votre magnificence sorte de sa cachette et vienne illuminer le monde. Vienne illuminer votre vie. Ces 12 esprits illuminent entièrement votre être et vous prenez conscience de l'être puissant, extrêmement lumineux que vous êtes. Votre magnificence se révèle encore plus à vous. Grâce à ces esprits, vous avez acquis beaucoup plus de capacité à assumer cette magnificence, à la reconnaître, l'accepter et la manifester dans votre vie. Tous ces esprits se mêlent à votre lumière, à la lumière de votre âme. Ces 13 lumières qui vibrent ensemble forment un arc-en-ciel magnifique. Cet arc-en-ciel magnifique remonte votre colonne de chakra pour former une boule à l'intérieur du calice de votre chakra porte des étoiles. Elle stationne un moment dans ce chakra et l'archange Métatron bénit votre lumière arc-en-ciel, la lumière de votre être, de votre magnificence. Il la bénit de sa merveilleuse lumière orange doré. Puis il est rejoint par le séraphin Séraphina qui vient bénir votre énergie arc-en-ciel de votre être renforcé des 12 esprits divins et votre énergie, la fréquence de votre essence, de votre âme, accompagnée et protégée par les énergies de l'archange Métatron et du séraphin Séraphina, commence à s'élever au-dessus de votre tête, jusqu'à rejoindre votre moi supérieur pour construire la première partie de votre pont d'Antakarana vers la source. Elle monte vers la boule lumineuse de votre moi supérieur et elle l'atteint, où elle se mélange et bénit de la lumière de votre extension d'âme, enrichie de toute sa sagesse et de toutes ses expériences d'incarnation sur terre. Votre moi supérieur reçoit cette bénédiction de lumière et de sagesse avec amour et le distribue à vos 11 frères et sœurs d'âme qui sont liés à vous.
En retour, vous pouvez demander à ses frères et sœurs de l'aide pour tous les aspects de votre vie qui en ont besoin. Puis, rempli de gratitude, vous continuez votre route. La lumière arc-en-ciel de votre être continue de s'élever, de s'élever, de s'élever. Petit à petit, construisant ce pont, votre pont d'Antakarana arc-en-ciel vers la source, et arrive peu à peu, en montant à travers les dimensions, à travers le cosmos, jusqu'à arriver à votre monade. Votre énergie arc-en-ciel entre dans votre monade. Elle se fond avec votre monade et lui offre la bénédiction de votre lumière et de toutes les sagesses qu'elle contient, toutes ces sagesses amassées lors de vos incarnations sur Terre. Et votre monade la reçoit avec amour, un amour très chaleureux, immense. Vous ressentez cet amour, vous le ressentez profondément dans votre cœur et vous sentez que vous êtes de retour chez vous, dans votre lieu d'origine, vers votre étincelle d'origine. Et vous sentez que vous pouvez partager votre sagesse et votre lumière avec vos 143 frères et sœurs de monade. Et qu'en échange, vous pouvez leur demander de l'aide pour tous les aspects de votre vie qui en ont besoin. Leur sagesse est disponible pour vous. De retour dans votre famille d'âme, vous baignez dans ce bonheur d'unité, de chaleur, d'amour inconditionnel. Du sentiment d'appartenance et du sentiment d'être enfin de retour chez soi. Puis, lorsque tous vos échanges sont terminés, vous redescendez peu à peu à travers les dimensions, quittant votre monade, puis votre moi supérieur, tout en sachant que grâce à la construction de ce pont d'Antakarana, vous êtes indéfectiblement lié à eux, qu'à chaque fois que vous refaites le trajet, vous allez consolider ce pont. Ce chemin de lumière qui vous relie de plus en plus fortement à votre moi supérieur, à votre monade, et donc à la source. Vous revenez dans votre chakra porte des étoiles, puis dans votre corps, encore plus confortablement ancré dans votre corps. Entièrement à l'intérieur, avec un bonheur peut-être jamais ressenti encore, d'être dedans, d'habiter ce temple, et vous ressentez une profonde gratitude pour ce corps physique qui vous accueille, tout en ressentant ce lien de lumière avec votre moi supérieur et votre monade, qui reste constant. Et vous savez qu'à tout moment, vous pouvez leur demander guidance, lumière, soutien. Renforcé par ce lien et par la libération des 12 esprits divins dans votre être, vous revenez peu à peu dans cette pièce, à votre état conscient, en remerciant l'archange Métatron, son dragon orange doré, votre licorne personnelle,
le séraphin Séraphina, et vous revenez à la réalité consciente en bougeant votre corps, en vous étirant, en bâillant, rempli de votre magnificence, d'une nouvelle force, en sentant que vous avez énormément élevé votre niveau de fréquence et que grâce à votre lien avec votre monade, il va pouvoir se stabiliser dans les hauteurs. Rempli de cette nouvelle lumière, de cette nouvelle force, de ces nouvelles connexions, et sachant que vous pouvez revenir, continuer de construire et de consolider votre pont d'Antakarana à tout moment, vous ouvrez les yeux, heureux et béni. Merci. Magnificence brûle tout ce qui t'éloigne du divin. Cette heure de gloire est celle de ton essence.